Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cet Airbus 330 d'Air Calin. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre attention pour la présentation des consignes de sécurité. Ces informations sont également disponibles sur la notice de sécurité située dans la pochette du siège devant vous. Assurez-vous tout d'abord que vos bagages à main sont bien placés dans les coffres à bagages ou sous le siège vous faisant face. Les allées et les issues de secours doivent rester dégagées de tout bagage durant le vol. Attachez votre ceinture de sécurité lorsque le signal lumineux est allumé. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez cette partie dans la boucle et tirez sur la sangle pour la serrer. Pour détacher votre ceinture de sécurité, soulevez la partie supérieure de la boucle. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de la maintenir attachée lorsque vous n'avez pas à vous déplacer. Si vous voyagez avec un bébé assis sur vos genoux, vous devez attacher votre enfant en utilisant une ceinture de sécurité spécifique que l'équipage va vous distribuer. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer sur tous les vols Air Calin, y compris dans les toilettes où des détecteurs de fumée sont installés. L'usage d'appareils électroniques comme les ordinateurs portables, les tablettes numériques et lecteurs de CD et MP3 est interdit pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Les téléphones portables doivent impérativement être éteints ou positionnés en mode avion pendant l'ensemble du vol. Il y a 8 issues de secours sur cet avion, que les membres d'équipage vous indiquent. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de vous. Attention, celle-ci peut être située derrière vous. Chaque issue de secours est équipée de toboggans d'évacuation et de canaux. En cas d'urgence, un marquage lumineux au sol vous guidera vers ces issues. En cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages à main à bord. En cas de dépressurisation rapide, les masques à oxygène situés au-dessus de votre siège tomberont automatiquement. Tirez sur le masque le plus proche et appliquez-le fermement sur votre visage. Passez l'élastique derrière votre tête et respirez normalement. Ajustez votre masque avant de porter assistance aux autres passagers. Les gilets de sauvetage se trouvent sous la coudoire centrale en classe hibiscus et sous votre siège en classe économique. Si vous devez utiliser votre gilet de sauvetage, enfilez-le ainsi et passez la sangle autour de votre taille. Fixez la boucle et tirez sur la sangle pour la serrer. Une fois à l'extérieur de l'appareil et sur ordre de l'équipage, gonflez votre gilet en tirant sur les poignées rouges. Si le gilet ne se gonfle pas, soufflez dans les embouts buccaux. Le gilet de sauvetage possède une lampe qui fonctionnera automatiquement une fois dans l'eau et un sifflet qui vous servira à attirer l'attention. Si vous entendez l'ordre « Brace for impact », adoptez l'une des positions de sécurité actuellement indiquées. Notre décollage est proche. Assurez-vous que votre ceinture de sécurité est bien attachée. Vos tablettes, repose-pieds repliés et le dossier de votre siège redressé. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un agréable vol.